Salut à tous et bienvenue sur Crusader Kings 2. Donc bienvenue pour ce quatrième épisode de la saga africaine. Donc bon, j'ai un petit peu avancé sans faire exprès. Donc rien de bien grave, hein. J'ai juste eu un événement qui me permettait d'avoir une compétence en plus sur l'environ, enfin sur le terrain en fait. Et j'ai choisi terrain désertique, bah, ce qui est un petit peu logique, hein, parce que, attendez, je vais vous mettre la topographie. Donc, bah, c'est du désert partout, sauf ici où c'est de la plaine. Mais sinon, ouais, c'est... Ici, il y aura de la montagne. Et sinon, tout ça, c'est du désert, quoi. Donc, c'est un petit peu... Somme toute, un petit peu logique, quoi. Donc, voilà. Donc, nous revenons là où nous en étions. Donc voilà, donc j'étais en train de piller ça parce qu'on me l'a demandé. Donc, l'agitation grandit à mesure que de plus grandes zones d'air deviennent plus sèches. Partage sur les richesses. Non. Confiance au créateur. Voilà, du zèle. Alors, regardons. Ok, alors on a un risque de révolte ici. Parce qu'en gros, il va falloir très vite... que je récupère ça. Ça y est, je suis rival avec l'autre là. Mon rival. Eh ben voilà. Hop. Voilà. Hop, donc on continue. Hop. Domaine personnel trop vaste. Donc Fatchi. Fatchi, je vais le donner à mon fils. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de fils. Je vais le donner à mon frère Fatchi. Fatchi. Voilà qui est fait. Je vais changer la loi aussi. Attends. Centralisation. Ouais, je vais passer à faible, voilà. D'accord. Non, ça non. Par contre, maintenant, il faut que... Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce qui va pas? Je suis fait... Le gouvernement n'est pas tribal. Niveau de légalisme est égal à 1. Ah. Hop. Voilà, très bien. Maintenant, on se barre. Vite fait, bien fait. Je sais que j'ai perdu contre moins que ça. Enfin, je vais refuser pour le moment. Donc voilà, hop. On a ce qu'il faut. On n'a toujours pas de prisonnier. Bon. Et la guerre contre lui, là, ça donne quoi? Assujettissement. Ok. Combien? Oh, tranquille. Déclarer la guerre. Assujettissement. Ok. Toi. 873. Déclarer la guerre. Revendiquer pour nous. Envoyer. Voilà, toutes les guerres. Donc. Songhai, oui. Ghana, toutes les guerres. Oui. Vassal. Appel aux armes. Oui. Toi, appel aux armes. Nous impressions trop vos ennemis. Eh, mais toi, ça va vraiment barder à un moment.
Appel aux armes. Toi, là, machin, là, de Mugno, là. Tu veux un siège, tu veux un siège. Bah. Enfin, franchement, t'as vu tes stats en même temps? Je sais pas, enfin, fais quelque chose, quoi. Mes complots. Non, bah, plus besoin. Voilà. Je l'ai suffisamment énervé comme ça. Raconter une histoire au feu de camp. Ah, tiens. Je vais le faire. Alors. Un vent chaud traverse le village. Alors que le feu s'embrase, il illumine la foule réunie pour la soirée. Je passe mon verre à un domestique et appelle au silence. Ami, je suis content que vous m'ayez rejoint ce soir, car je vais vous raconter l'histoire d'un brave guerrier errant dans le désert à la recherche du véritable quelque chose. L'histoire de l'humanité et comment nous en sommes arrivés ici. Ou l'histoire d'un esprit bienveillant qui demeure à R. Voilà, hop. Ok, donc... Hop. Ah ouais, d'accord. Alors, légalisme niveau 1, voilà qui est fait. On va passer en centralisation faible, parce que j'ai pas besoin d'avoir autant de vassaux. Voilà. Voilà, très bien. D'accord. Alors, l'aîné, rançonné. Non, tu veux pas? Eh ben, il va être... Hop là, pour le créateur, voilà qui est fait. Voilà, approuvé en R, très bien. Hop. Allez, on continue. Et ben voilà, très bien. Alors, elle est comment ma femme? Elle est... C'est une enfant de concubine. Diligence, elle est lâche. Elle est érudite. Voilà. Oh, joli. 15 en intendance. Pas mal. Ok. Très bien. Hop. Abdul Karim. Ok. Hop. Alors,
Oh, quoique ça sert plus à rien que je l'attaque. Hein. Hop. Voilà, je devrais avoir honte. Hein. Là. Allez, plus en avant sur ses revendications. Très bien. Maintenant. Hop. Alors, Malzouzi. Un Karijdit. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est en train de devenir sunnite petit à petit. D'accord. Ok, ok. Alors... Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi revigoré par une bataille. Chaque jour, notre unité se déplace comme si ses membres étaient reliés par un lien inexprimé, voire un pouvoir supérieur, dis-je avec empressement une nuit. C'est votre œuvre, monseigneur, dit l'un de mes soldats d'un air surpris. Alors, vous avez raison, la modestie ne mène nulle part, c'est un effort d'équipe soldat. Alors... C'est mieux le pied de prestige quand même, hein. Est-ce que j'ai déjà orgueil ou pas? Humilité, je l'ai déjà. Hop là, c'est parti pour orgueil. Alors, partageons la richesse de notre capitale avec du génie. Nous devons faire confiance au créateur. Non, hop. Parce que je crois que... ouais, risque de révolte 5%. Ah mais quoique, attends. Je suis un petit peu endormi là. Mais toi t'es à 9. Donc qu'est-ce qui se passe? Tribu implantée, intendant blessé. Oh bah écoute, si c'est blessé, c'est tout bénef. Alors, bio fait... font chier là tous ces hein. Alors succession, ce serait ma nièce. Alors chef de Dora, pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive? Il essaye de m'empoisonner, c'est ça? Non, il essaye de tuer mon frère. Bon, je pense que je vais prendre des concubines au passage. Hein. Hop, on va changer. Hop. Famille. Voilà.
Ah, mais j'avais pas vu. Hop. Offrir la paix. Oh, j'attends. J'attends juste le petit combat entre les deux. Voilà, ma femme est enceinte, nickel. Voilà qui est fait. Voilà, nickel. Donc ça, c'est à moi maintenant. Est-ce que je peux te défier, toi? Bon débarras, hein, très bien. Donc, ici on va mettre un enfin, bas. Voilà. Et ici on va mettre tous les autres. Bien. Ok, fait. Hop. Alors, ma femme se sent un peu morose en ce moment. Et ben, je vais donner 5 balles. Hein. Charité ou gentillesse. Rien ni l'autre. Hop là. Alors. Ma femme m'a demandé de lui acheter de nouveaux vêtements. Les siens sont devenus trop serrés à cause de la grossesse et elle est frustrée de ne pas avoir quelque chose de bien à se mettre. Donc, ma chère, vous n'avez pas besoin de nouveaux habits, vous êtes déjà magnifique. D'accord, convoquez le tailleur. Pourquoi? Pour qu'elle puisse les jeter dans quelques mois. Ok. Donc, soit je la baratine, soit j'accepte, soit je l'envoie chier. Moi, je vais accepter. Allez. Hop. Voilà qui est fait. Parfait. J'ai pas vu ce que j'ai eu. J'ai eu un fils, magnifique. Voilà. Je fais à savoir tout le monde sait l'acheter. Alors qu'il faut que je le laisse en vie en fait. Alors... Ouais, donc soit moi j'obtiens musculature... Oh bah je vais obtenir musculature. Voilà, très bien. On offre la paix, voilà qui est fait. Donc le problème c'est que je suis une menace. Je peux créer duché de Wassa. Il me faut des sous. Ok. Donc se cacher, pourquoi? Parce qu'on veut me tuer. T'es qui toi? Chefesse de Fachi. Alors toi tu vas te mettre tout de suite. Alors. Mettre fin au complot, voilà.
est fait. Très bien. Rendre un culte aux anciens. Je suis une menace. Alors, affronter en duel. Putain, faut que j'attende encore, j'y crois pas. Réputation de dueliste, moins 103. Vue ôtée. Oh, magnifique. Je vais crever les yeux. Hop là. Alors, revenons un petit pillage avec ma garde personnelle. Avec l'aîné Bamari. Vas-y, je t'aide. Annie. Là. Alors, ma connaissance et moi sommes de retour. Je tiens forte ambition. Voilà. Je suis encore 801. Ok. Je peux créer le duché. Voilà qui est fait. Je suis duc de Wassa. Très bien. Dommage. Ouais, quoique, attends. J'ai pas bien vu. Révoquer un titre. Alors, on en est à 39. Parce qu'il y a eu deux temples profanés. Et là, il faut 132 pièces. Bah, on va attendre. Après, il y a quoi au-dessus? Il y a l'Empire. Donc
faut que j'en ai 21, je crois. Donc il m'en faut 8 de plus. Ok. Ma femme est encore enceinte, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui n'est pas africain dans le coin? Ah ouais, tout est africain. Hein. Alors, je peux à peine le croire, mais la grossesse a rendu ma femme acceptable. Waouh. C'est horrible. Je me suis trouvé étrangement attiré par elle depuis quelques semaines. Elle porte l'enfant, je ne devrais pas la regarder ainsi. Voilà qui est fait. Alors... Alors, c'est une bonne tradition d'avoir des commères autour d'une femme, blablabla, blablabla. Ok, puis 10 en or, 10 en piété, très bien. On va faire une petite pause. Alors, non, il est temps de construire un petit peu. Alors, terrain d'entraînement, hop. Toi, pareil, terrain d'entraînement. Voilà qui est fait. Pour nous, c'est fait. Canot. Eh. Voilà qui est fait. Alors, il me donne pas de piété. Ok. Ok, donc ça pourrait être pas mal d'avoir ça. Bayuda. Parce qu'il y a plein de temples ailleurs. Avec lui, j'ai déjà suffisamment mis la misère comme ça. Alors, les ducs. Ça va être toi qui vas être duc de Wassa. Oh, quoique, je peux le garder pour le moment. Hein. Qu'est-ce qui empêche? Bon, est-ce que je peux changer déjà? 798. Ça, c'était bien la peine de changer. Hein. Alors, le quartier maître l'a remarqué en premier. Oh, purée. Et si je le donne à mon héritier? Donner un artefact. Thank you.
Alors, vous retrouvez dans une discussion sur le tir à l'arc avec Chef Dala. Forte amitié débute entre vous et le chef Dala, mais il était pas trop tôt, purée. 76. Indépendance, c'est quoi ton problème, toi? Dora. Accorder un titre foncier. Ok, bon. On continue comme ça. Alors, le vrai de troupe, 622. 630. Alors, j'ai une fille. Alors, le pacte défensif a été dissous. Ah, mais j'ai failli oublier. Alors, beaucoup de guerriers importants se sont rassemblés dans la loge de Si. Eh ben, c'est parti. Voilà. Voilà, soyez pas trop dur avec vous-même. Bon, là, ce qui me manque, là, pour le coup, c'est la thune. Ok. 125 pièces d'or. C'est quoi ton problème, ton corps? Le lion me glisse entre les doigts. Aidez-moi, je vous en prie. Mais j'ai pas envie d'avoir contentement, moi. Oh, quoique. Hop, la prison. Voilà. Révoquer un titre. Putain, il se fout de moi. Bannir. Ok, intendant. Alors, l'intendant à Bornou, hop, voilà qui est fait.
Comment je peux gagner de l'argent? Impôt religieux, frais militaires en 0,8. Bah déjà, je vais commencer par arrêter de dépenser l'argent bêtement. Voilà qui est fait. Elle est plus en avant sur ses revendications. Très bien. Ah, bon, je suis en négatif. Pas pour très longtemps. En fâchis, tu te fous de moi. Toi tu m'aimes pas, mais quelque part je peux te comprendre. Me sourit, ma femme est blablabla, est enceinte, c'est génial. Allez, on écrase ça. Ouais, mais non, parce que je vais pouvoir affronter l'autre là. Espion de Mugno. Ok. Revendication forte sur chefferie de Mugno. Perdre 10 en piété. Voilà. Marque d'apostasie. C'est bien fait. Voilà. Hop, exécuter le prisonnier. Quel pendu. Risque de révolte. Incompétence du seigneur. Ben oui, mais... Essayez d'y remédier quand même, s'il te plaît. Voilà, mon zèle et mes croyances religieuses m'ont fait gagner davantage de respect et de prestige. C'est très bien. Risque de révolte, 1%. Alors... Je suis... Sultana Arwadid. Alors. Parce que moi j'ai toujours mes potes. J'ai toujours mes potes. Hop, déclarer la. Je ne suis pas en banqueroute. Alors, grand chef. Nanana, ont donné naissance à leur fils Agafei. Très bien. Voilà, déclarer la guerre, revendiquer Bayupa, voilà qui est fait. Maintenant, on va appeler Sangai, on va appeler le mec du Ghana. Et on va appeler les vassaux maintenant. Appel aux armes. Héritier, oui.
Appel aux armes. Tu me préfères. Très bien. Appel aux armes, je peux pas le faire, mais tant pis, c'est pas grave. Appel aux armes. Nous apprécions trop vos ennemis. Ils sont même pas de la même religion, ils sont même pas de la même culture. C'est juste que tu peux pas me blairer en fait. Putain, toi tu commences sérieusement à me gaver toi. C'est bon. Arrêtez de me. Hein. Bon. Mettre de la lame. Mettre de l'arc. Non. Tout. Ça va laisser. Voilà. Là, c'est comme ça, c'est déjà pas mal. Hop. Alors, le grand vizir. Bah franchement, t'auras fait du super boulot quand même. Ça, rien à dire. Le grand vizir, maintenant tu vas faire lui. Voilà qui est fait. Très bien. Ouais, bah désolé mon gars, mais je peux pas. Allez, on s'active. Qu'est-ce qu'il y a? Donc moi, ça pourrait me rendre gentil, c'est ça? Grand vizir a été tué. Et bah c'est pas de bol. Alors. Bon, trouver des persos. Alors. Ene Amata. Je crois que non, c'est un berbère qu'il me faudrait. Alors, 14. Ouais. Invité à la cour, oui. J'ai pas de physicien. Ouh, 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 ouh. Commandant. Ok, donc dépressif pour l'un et... Tu rejoins immédiatement ma cour. Sauf que je peux pas te nommer au conseil. Thank you.
Ma femme est encore enceinte. J'ai pas la thune, mon gars. Ah, voilà, on va pouvoir changer. Avant 5 ans. Ouais, mais il faut que je fasse de la thune. Donc, voilà. Très bien. Eh non, lui, il me déteste trop. Quoique. Donc, il peut vraiment pas me piffer pendant 7 ans. Chance. Hop, voilà qui est fait. Maintenant à l'assaut. Ok, bon, on s'en fiche. Le vassal, qui lui... Ok, mon vassal. Donc lui, il m'aime pas parce que... Il veut un siège au conseil. La foi caradite triomphe. Alors, grand chef Takfin, le chaste, machin, fils Amma. Ok. Alors, il y a quelques jours, vous avez remarqué une femme intriguée. La plupart du temps, elle était tranquillement assise et n'a pas attiré l'attention sur elle. Cependant, vous pourriez dire qu'elle écoutait très attentivement la conversation et que rien n'échappait à son regard observateur. Je lui fais pas confiance, un coup à ce que elle finisse par je sais pas où. Enfin, je sais pas quoi, elle vient de me voir en mode ouais, allez hop là. J'essaie de t'assassiner. C'est bon. Non, le Yuva, le mari de Funa, a passé quelques jours en R, une rencontre des plus agréables. C'est qui ça? Soso. Soso? Oui, allez, c'est toujours, je peux pas faire de mal. Voilà, pack de non-agression, c'est très bien. Comment il a fait pour avoir autant de bonhommes, lui? Alors, voilà. Voilà, le royaume de Wassa, voilà qui est fait. Désigner un successeur. Mon fils. Hop. Grande chefferie de R, grande chefferie de R.
Hop. Un conseiller. Chef de Mugno. Voilà, peut-être tranquille maintenant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me faudra pour l'Empire, carrément? Bon, déjà, il faudra que je crée le royaume de Kanem. Sur 26, il m'en faudra 8 de plus, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais attends, mais gros, comment? Ah, d'accord, après tu montes. Ah, mais Mazouzi là, 2,49. Ouais, parce que je sens les conneries à venir. Choisir une ambition. Modèle de vertu, non. Préparer la succession. Voilà qui est fait. Hop. Hop, je gagne, magnifique. Giza of Lido. Rançonner 10 pièces. Non, tu peux pas. Hop là. Sacrifier et. Ok, bah tu voulais attaquer quoi toi? J'ai pris de Tegaza. Ok, bah écoute. Alors, père. Voilà, est-ce que je vais devenir gentil? Toujours pas. Et ma femme est toujours enceinte, et bah décidément. Non, ça, ça pourrait être pas mal d'avoir un consciencieux pour la peine. Ok. Mais par contre, tuteur, on va te mettre un tuteur qui est spécialisé. Bon, c'est pas grave. Ça fera plusieurs trucs en même temps.
offrir la paix. Ça, c'est à moi. Et maintenant, on va revenir ici. Et on va piller maintenant. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il y a pas mal de choses. L'ère des Vikings. Bon, bah on s'en fout. Bon, bah je vais mettre pause sur ce coup-là. Donc voilà, donc je suis roi de Wassa. Et mon objectif va être de créer... déjà, je vais changer ma capitale. Voilà qui est fait. Attendez. Hop, d'accord. Bayouda, on s'en fiche. Hop. Alors, camp militaire. Hop. Armurerie, chevaucheur du désert. Quartier des morts. Chevaucheur du désert, voilà qui est fait. Tribu de R, on va s'en foutre complètement. Voilà, bon bah je vais m'arrêter pour cet épisode. En tout cas, bah merci beaucoup de l'avoir suivi. Et j'espère du coup vous retrouver pour un prochain épisode. Où cette fois je vais essayer de créer l'Empire cette fois. Mais d'abord je vais bien piller. Je vais me faire plaisir parce que j'ai besoin de sous-sous. Voilà, en tout cas merci à tous. Salut.